De plus en ces jours de notre communication hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et qu'il dispose vos cœurs pour nous écouter. Écoutez ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour vous. J'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous en commençant par la lecture de l'Évangile selon Matthieu chapitre 27 du verset 50 jusqu'au verset 54. Je lis cela à votre intention. Jésus est à la croix. Selon Matthieu, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il est mort. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis les plus hauts jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte à Paris à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent : assurément, cet homme était fils et Dieu. J'aimerais résumer mon propos par ce qui suit. Le thème d'aujourd'hui que nous allons développer pour vous s'intitule la croix. Rien que la croix. Voilà mon message pour vous qui me suivez d'une manière hebdomadaire. Nous allons développer ce sujet, la croix, rien que la croix. Jésus est à la croix. Et la croix avait fait l'affaire. Par rapport à ce que je viens de vous lire. Elle fera encore l'affaire. Pour vous qui prenez au sérieux la croix. Ce n'était pas une chose banale. Ce
C'était des choses de grande importance. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui en disant la croix. Rien que la croix. Jésus pousse les cris. Il rend l'âme. Il est mort. Le but est atteint suffisamment. Il est mort. Il fallait qu'il meure. Il ne s'était pas assoupi. Il est mort, certainement il est mort. Mission accomplie. Jean-Baptiste l'avait déjà dit, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Et il voyait la croix, puisque l'agneau était une bête sacrificielle. Pour des raisons multiples. Jésus est mort. Pour vous qui me suivez sur la terre, il est mort pour vous. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de la croix. Rien que la croix. Pourquoi je parle de ça? J'aimerais que l'Église puisse revenir à la prédication de la croix. Si elle veut voir ses effets. Ses possibilités, sa capacité opérationnelle. Parfois, on passe beaucoup de choses à parler de ceci, de cela. Et moi, je crois que la croix, c'est le message capital de l'Évangile. Pour aller dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est pour nous une puissance. Oh, alléluia! Une puissance qui fait trembler la terre. Une puissance qui fait trembler les cinq continent de la terre, la croix de Jésus. Et c'est pourquoi ces jours-là, la Bible dit, lorsque Jésus rend l'âme, la terre trembla. Elle peut trembler encore et encore. Car c'est un message actuel. Et c'est pourquoi quand je parle de la croix et encore la croix, je sais que c'est un message de tremblement de terre. Tout ce qui est sur la terre tremble devant la croix de Jésus. Faisons trembler la terre par la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons la foi, il est une puissance de Dieu. Oh, alléluia! Lorsqu'il meurt à la croix, Jésus est crucifié et Dieu libère la puissance qui fait trembler la terre.
rassembler les choses visibles et invisibles. Et l'apôtre Paul dit, là c'était une terre visible. Il y avait des choses visibles qui ont tremblé. Et les centenaires, après avoir vu les tremblements et les choses qui sont arrivées, il crut. Oh, alléluia. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. La croix. C'est une source du salut qui fait trembler toute chose. Qui fait trembler ce qui vous fait trembler. La Bible est claire dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oh, alléluia. Si les autorités et les dominations invisibles du monde ont été vaincues, ont été affaiblis grâce à la croix. Qu'est-ce que c'est que les dominations visibles? Qu'est-ce que c'est? Tu ne trouves pas du plaisir à faire trembler les autorités ou les dominations? La croix avait fait trembler les dominations, les autorités. C'est puisque ces autorités étaient des méchants et des mauvais. Dieu s'est fait trembler. La version parole vivante dit, il a manifesté leur faiblesse devant l'univers. Et les a traînés dans les cortèges triomphales de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La croix de Jésus fait trembler la terre. Si votre ville est sur la terre, si votre nation est sur la terre, votre continent est sur la terre, votre famille est sur la terre, vous pouvez vous utiliser, vous servir de la croix de Jésus pour faire trembler les choses qui font les mâles sur la terre. Il dit lorsqu'il rendit l'âme, la tête trembla. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Corinthe, il dit, je n'ai pas voulu que vous puissiez connaître autre chose si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oh, alléluia. J'aimerais que le monde puisse connaître d'une manière particulière ce message de la croix. Et avec ça, l'apôtre Paul avait amené le réveil de Corinthe. Une grosse église est née par la croix. J'aimerais que les grosses églises naissent alors. Oh, alléluia. La croix enfante des grosses églises du réveil sur la terre, dans les villes des nations de la terre. C'est
Moi, j'ai parlé de la croix, rien que de la croix. J'aimerais que vous puissiez utiliser ce qui a fonctionné avec nos prédécesseurs. Il est à Corinthe, il a utilisé ça. Jésus était déjà mort, il était déjà parti dans l'au-delà. Mais l'apôtre Paul l'a utilisé par la foi et ça fonctionnait. Ça fonctionnera pour vous qui me suivez. Ce message va enfanter des grosses églises dans les nations de la terre, comme à Corinthe. La croix est une puissance d'enfantement de la multitude. Jésus l'avait dit, si un grain de blé ne tombe à terre, il reste seul. Lorsqu'il tombe à terre, il met, il porte, alléluia, beaucoup de fruits. C'est Jésus qui l'avait dit avant qu'il meure. Il savait ce que sa mort allait régénérer. J'aimerais planter la puissance de la multitude dans votre ville et dans votre village. La croix de Jésus. Les grains de blé, il y a 2000 ans que c'est tombé. Croyez à sa parole. Il est mort pour que des multitudes passent du camp du diable vers le camp de Dieu. Et ça, c'est le message de l'apôtre Paul à Corinthe. Je n'ai pas voulu que vous connaissiez autre chose, ce n'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ crucifié. Oh, alléluia. C'est une information qui doit être véhiculée par l'Église. Nous avons l'esprit apostolique de Paul. Faire connaître la croix de Jésus et ses possibilités incommensurables. Tel qu'il avait dit de son vivant. Si les grains de blé ne tombent à terre, il parlait de lui-même. Il reste seul. Lorsqu'il tombe à terre, et meurt, il est mort. Jésus rend l'âme à la croix du calvaire. C'était fini. Alors allait commencer la grâce de la multiplication de la vie. Oh, alléluia. Non pas la multiplication de la mort, mais la multiplication de la vie. Lorsqu'il meurt et tombe à terre, il porte beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Ce message, je l'ai écrit il y a 2000 ans. Et je suis la vie de la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Jésus savait ce qu'il disait. Il avait une bonne vision de la croix. Et aujourd'hui, ça devient un symbole simple qu'on porte au bout, qu'on met sur les églises, même sur des tombes. Mais on n'a pas la bonne vision de sa mort. Et c'est une puissance qui régénère la multitude. Je peux vous dire, la multitude est par la croix de Jésus. Non pas par la croix des hommes, mais par la croix de Jésus. Il est mort. Et quand l'apôtre Paul annonce le message à Corinthe, une grosse église est née. Un réveil est né. Puisqu'à la croix du Calvaire, la Bible dit clairement, je venais de le lire pour vous,
que les sépulcres étaient ouverts et que les morts étaient ressuscités. J'aimerais que par le message de la croix, vous puissiez ouvrir les sépulcres de la mort, afin que les hommes passent de la mort à la vie. C'est quand il meurt. Il y a un passage des saints qui étaient morts. Et il y aura un passage, vous savez vous-même, que la mort n'est pas la simple chose, ce n'est pas une chose qui peut lâcher facilement les hommes. Mais la croix de Jésus avait amené à ce que la mort puisse lâcher. Oh, alléluia! Lâcher les morts! Moi, je demande à l'église, ne faites pas autre chose. Vous prêchez seulement la croix de Jésus. Présentez cela au monde. C'est sa volonté lorsqu'il institue la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'il dit? Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le ferez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Oh, alléluia! La proclamation de la croix est un message permanent jusqu'au retour du Maître. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous rassemblez, vous annoncez ma mort. Oh, alléluia! Annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est des messages que l'armée du serpent ne supporte pas. Puisque la croix, le précipite de leur position orgueilleuse. Il y guère dans le ciel, Michael et ses anges combattirent. Les dragons riposta. N'est-il pas les plus forts, furent précipités les grands dragons, les serpents, ceux qu'on appelle les diables et Satan. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Oh, alléluia. J'aimerais que vous puissiez parler de la croix de Jésus aux nations du monde. Ça va vous accorder la victoire sur l'armée de l'air satanique pour qu'il y ait le salut, la délivrance, le règne et l'autorité de Christ. Il est très important que l'on puisse annoncer la mort de Jésus. C'est pourquoi j'ai parlé. La croix, rien que la croix. Et lorsqu'il rend l'âme à la croix du calvaire, la Bible dit, les voiles, oh alléluia, du temple se déchira, oh alléluia. L'homme a accès au sanctuaire. Satan ne vous empêchera plus jamais d'aller au ciel. La croix est un passeport avec un visa authentique de votre voyage vers les demeures éternelles. Quand il ira l'âme, les voiles se déchirent. Ne jamais tracer. Oh, alléluia.
Et nous avons une libre entrée dans le sanctuaire au moyen de sa chair, au moyen de son sang. J'ai dit à la terre, bienvenue dans le ciel. Il n'y a plus de portes fermées. Elle est ouverte par la croix. C'était les portes qu'on est, qui étaient verrouillées, alors verrouillées. Mais la Bible dit, le voile se déchira de haut en bas. Oh, alléluia. La croix avait touché les démons, les plus grands jusqu'aux plus petits de l'enfer. Oh, alléluia. Aucun démon ne peut vous empêcher d'aller dans le ciel. Bon voyage. Vous pouvez entrer dans les sanctuaires. La Bible dit, tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On n'a plus raison d'être privé de la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre ministère, dans votre église. Vous ne pouvez pas, je l'ai dit, être privé de la gloire de Dieu. J'aimerais que vous soyez des chrétiens glorieux et des chrétiennes glorieuses, des pasteurs glorieux. On vous a privé cela, mais le voile est déchiré. Il est déchiré pour que vous puissiez vivre la gloire comme vos prédécesseurs à Jérusalem. La croix les avait introduits dans la gloire. Oh, c'est extraordinaire, dit Père. J'aimerais que tu m'as donné voir la gloire que tu m'as donnée. Mais il y avait des portes fermées. Il fallait qu'on ouvre cette porte-là. Les voiles, c'est des puissances. Je sais, il y a beaucoup de puissances démoniaques qui ne veulent pas votre gloire, qui aiment votre humiliation. Jésus a été humilié à votre place afin que vous ne soyez plus humilié. La Bible dit que toute montagne soit abaissée, toute colline aplanie, toute vallée exaucée, et la gloire du Seigneur apparaîtra. Avec la croix, vous pouvez régler les problèmes à ce qui empêche votre gloire. Le temple se déchira. C'est ouvert. La porte est ouverte. Dit que les portes éternelles élèvent ses lettres pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et je crois que les portes éternelles ne peuvent pas élever leur linteau d'une pousse. Ce n'est que par la croix de Jésus. Et la croix de Jésus est une source qui vous introduit dans la gloire de Dieu. Là où se trouvent Gabriel, Michael et tant d'autres anges. Et tu as donné une possibilité inouïe à la terre. Vous pouvez vivre déjà de votre vivant sur la terre. La gloire, l'avant-goût de la gloire éternelle. Vous serez élevé dans la gloire. Et je vais vous souhaiter, pasteur, pour que vous soyez homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, chrétien, une vie de gloire, c'est la volonté de Dieu. La chose qui a empêché cette vie de gloire a été déchirée. Oh, alléluia. Par la mort de Jésus.
Et c'est pourquoi, ça je le crois très bien, on peut accéder dans les sanctuaires, dans la maison de la gloire. Il dit, dans son palais, tout s'écrit gloire, glorie. C'est pourquoi j'ai trouvé du plaisir aujourd'hui de partager avec vous ce message au sujet de la mort de Jésus. Il est mort. C'est pourquoi ce jour-là, il n'y a pas que les tremblements de terre. Les voiles étaient déchirées. Les sépulcres se sont ouverts. Et la Bible dit, les rochers s'effondrent. Oh, alléluia. Il y a des choses dures que vous ne pouvez pas régler. Tout est dur. J'entends mes frères qui me disent, parce que quand j'ai prié, je sens que c'est dur. Quand j'essaie de prêcher, je sens que c'est dur. Ma vie est dure, tout est dur. Ne t'en fais pas. Je te propose ce message pour les choses dures de la terre. Les rochers se fendirent puisqu'ils venaient de rentrer là. Oh, alléluia. Les choses dures vont céder, vont s'effondrer devant la fournaise de la croix du calvaire. J'appelle la croix du calvaire un fourneau à haut degré, mettez des mille, 10 000 degrés. Nous sommes ici au Katanga, Lumbashi. Cheminée ici de la Jekamine pour fondre les cuivres, c'était environ, tu crois, 2000 degrés. Mais la croix de Jésus peut fondre absolument toutes choses. Pasteur ne dit pas que cette ville est dure, les gens ne croient pas, ils sont endurcis. Quel que soit l'endurcissement de votre ville, ils vont croire. Puisque la croix fait fondre les rochers. Je sais cela. Ils vont croire. Nous sommes allés dans des pays musulmans. Ils ont crié. Il n'y a pas de choses dures. Tout cela, c'est le message que j'ai lu dans 1 Corinthiens. Dans Matthieu chapitre 27 et le verset 50, nous sommes descendus jusqu'en bas. Les rochers se fendirent lorsque Jésus rentre là. C'était la mort, comme je l'ai enseigné dans d'autres nations, la mort de la mort. Et par sa mort, il avait détruit celui qui est la puissance de la mort. Il ira là. C'est pourquoi j'ai dit la croix, rien que la croix. Puisque la croix détruit celui qui est la puissance de la mort. La mort ne vous tuera plus avant les temps de Dieu. Et la mort éternelle n'existera plus. Où est-ce que la croix avait détruit celui qui a la puissance? C'est extraordinaire quand je pense à ces messages. C'est vrai, chapitre 2. Il dit, détruit ici celui qui a la puissance de la mort. Je ne sais pas. Celui que vous craignez a été corrigé par la croix de Jésus. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, par sa mort, il a détruit celui qui a la puissance de la mort. Donc la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Mais des choses qui n'arrangent pas l'homme sur la terre, c'est la mort. Mais la croix, la mort de Jésus à la croix, était une puissance qui détruit celui qui est la puissance de la mort. C'est pourquoi je vous souhaite à ce que vous puissiez saisir la croix de Jésus pour détruire les puissances de la mort. La mort même spirituelle dans les églises, quand les gens chantent, c'est les buffets froids. On sent que les gens sont morts. Mais j'aimerais que par la croix vous puissiez détruire celui qui est la puissance de la mort et qui ait une vie, puisque les morts ne louent pas les seigneurs. Vous allez les louer d'une manière extraordinaire comme les habitants célestes. Par la croix. Par la croix, il avait détruit celui qui avait la puissance de la mort. C'est pourquoi ce message, je crois, est capital. Et vous savez aussi que la maladie est une puissance de la mort. Parlons aujourd'hui de COVID-19. C'est une puissance de maladie, parmi tant d'autres. Mais la croix avait touché tous ceux qui tuent. Oh, alléluia. Il avait tué les tueurs. Oh, alléluia. La croix avait tué le criminel. Il avait détruit celui qui a la puissance de la mort. Tout ce qui peut tuer a été tué. Et je souhaite à mes frères, à mes soeurs, à travers la zone du monde, de tuer ce qui vous tue dans le monde invisible. À la croix de Jésus. Que faites-vous de la croix de Jésus? Par sa mort, il avait détruit celui qui est la puissance. Détruisez-les. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Utilisez la croix pour les détruire, pour les démolir, pour les raser. La croix demeure. Vous savez que la famine peut détruire la vie humaine. Nous disons merci pour le programme mondial alimentaire. Il se bat pour que les gens mangent. Il y a la malnutrition sur la terre. Ça peut détruire. Il y a beaucoup de choses que Satan peut utiliser pour détruire, pour tuer. Mais toutes ces choses que vous craignez, qui vous embêtent, il peut utiliser la sorcellerie, il peut utiliser la magie, il peut utiliser les éléments naturels. Il peut utiliser quand il y a la puissance de la mort. Mais la puissance de la mort a été touchée par la croix de Jésus. Par sa mort, il détruisit celui qui a la puissance de la mort. Et c'est pourquoi les saints étaient ressuscités ce jour-là. Ils sont sortis de la mort. Telle est la croix de Jésus. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ces messages. Annoncez-les sur la terre. Je n'ai pas voulu que vous connaîtriez autre chose, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Annoncez ces messages. Et comme Moïse éleva les serpents terrain, le Fils de l'homme sera élevé pour que la mort par les serpents puisse être neutralisée. Oh, alléluia. Mais ce n'est pas Moïse qui a élevé les serpents nouveaux. Jésus, c'est son Père qu'il a élevé, afin que nous regardions à lui, que nous regardions à la mort de Jésus, pour détruire notre mort extraordinaire. N'ayez pas peur de la mort spirituelle dans ton ministère. Avec la croix, vous pouvez régler les problèmes à la mort. Il y a 2000 ans qu'il a été élevé par son Père.
pourrais seulement tourner le regard de la croix pour jouir de ces choses qu'il vient de dire. Tourner le regard de la foi. Oh, alléluia. C'est par la foi qu'on tourne le regard vers le sépandérin, vers la croix de Jésus. C'est pourquoi si quelqu'un ne croit pas pendant que je parle et va suivre ce message, ou c'est un pécheur invétéré, crois seulement, dis seulement je crois, ça va fonctionner. Oh, alléluia. C'est votre manière de regarder celui qui a détruit la puissance de la mort, la croix de Jésus. Ayez la foi dans cela et vous le verrez. Donnez les résultats que ça a donné à nos prédécesseurs. Je vous bénisse, à la prochaine. Amen.